Donc on est ravis de la soirée, on a un objectif qui était de rassembler le maximum de personnes pour les sinistrés du Haut-Comminges. On aurait pu faire mieux, mais globalement on est content. Les deux clubs ont été extra, que ce soit le TPC qui est venu avec un chèque ou New York qui est venu gracieusement. Donc voilà, et on est vraiment ravis que le Comminges ait réussi ce pari pour les sinistrés de faire venir du monde et d'avoir réalisé cet événement. De venir ici gagner, de se préparer avant Marseille. C'était le but de ce match, c'était comme une séance d'entraînement, on va dire. Donc c'est important de toujours remporter ces matchs. Après, ça a été compliqué en première mi-temps, on a eu des difficultés, mais bon, après, c'est bien passé au final, on est content du résultat. Et bon, c'était une bonne préparation avant Marseille, on va dire. De ce soir de Toulouse, et bien, on a fait une première mi-temps où je pense qu'on a fait mal à voir, on a développé du jeu, on a eu des occasions. Je pense qu'on aurait dû finir cette mi-temps avec deux buts d'écart. Et puis bien, sur une de notre première erreur sur coup de pied arrêté, Toulouse a marqué un but. Et puis, après, en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus compliqué parce que ben, ils ont réussi à poser leur jeu et puis nous, on a mal défendu un petit peu sur la largeur et puis voilà.
niveau. On intervient déjà sur le secteur du bouchon, au niveau de l'arboretum, qui est la sauvegarde d'un ancien arboretum qui dépend de l'université et de l'OMF. Et donc cette année, on a voulu, compte tenu des problèmes d'inondation, faire quelque chose au niveau de toute la population. Et j'ai contacté le TFC, Jean-François Soucas, pour essayer d'organiser, puisque le stage n'avait pas pu, avoir lieu à Luchon, de faire le match, ce qui a remplacé ce match de Saint-Gaudens, qui a lieu tous les ans. Et donc on participe aujourd'hui, on est une dizaine de membres du Lions Club Toulouse-Vallée du Giroud, pour faire les entrées. On s'est occupé de tous les maillots qui seront donnés en dotation de la loterie. 10 maillots d'équipe de France, maillot de Falcao, maillot de Bastia, 2 maillots de Nantes. Et donc on est très satisfait de pouvoir, à côté du district, du club, de la mairie de Saint-Gaudens, de faire quelque chose. La Ligue Midi-Pyrénées aussi également participe, puisqu'elle a fait un chèque de 1000 euros aujourd'hui pour cette opération. Et donc, c'est très content que l'ensemble des membres du club de Vallée du Giroud est heureuse d'être présente et de pouvoir aider ces sinistrés qui en ont véritablement besoin. Souvent, si.